Yusuf abi merhaba. Merhaba, merhaba. İlk önce seni çok seviyorum. En büyük hayranlarından bir tanesiyim. Sağ ol. Benle babamın arasında sen bir bağdın ilk önce. Ben seni Nazım Hikmet'i ve Atatürk'ü babamdan sevdim. Ve babamı geçen yıl kaybettim. Ama ben onu her sabah baba güneş topla benim için diye uyandırdım. Hop. Her pazar sabahı böyle kaldırdım ben babamı. Çok acı bunlar ya. Ve sen benim için çok farklı bir yerdesin Zülfü abi. J'espère que c'est droit. Je crois que c'est droit. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle revue de livres turcs. On va s'attaquer à un auteur qui est très très important, une importante figure de la littérature turque encore une fois. C'est marrant parce que cet auteur-là, il n'est pas seulement écrivain, il est aussi musicien. Et d'ailleurs, il est plus connu pour sa musique, notamment à l'étranger. Mais il est aussi réalisateur de films et il a une vingtaine d'œuvres à son actif, je crois, au niveau de la littérature. Et c'est drôle parce que quand j'étais petite, c'était pas vraiment la personne vers laquelle j'allais me tourner ni pour écouter sa musique ni pour lire ses livres. Et pourtant, c'était un des artistes préférés de mon père. Et je pense qu'avec le temps, on veut se rapprocher de ce que nos parents aimaient et on veut essayer de comprendre un peu plus. Et donc du coup, je me suis un peu plus intéressée à cet artiste, à sa musique notamment parce que je suis allée à plusieurs de ses concerts à Istanbul, mais aussi à l'écrivain. Et donc au fur et à mesure de mes lectures, je me suis rendu compte à quel point c'était un écrivain variés. Il nous propose des œuvres toutes plus différentes les unes que les autres. Et si on regarde un peu son histoire, comme un peu tous les auteurs importants ou qui ont marqué la Turquie, il a un passé assez tumultueux avec tout ce qui est politique. Et il a aussi fait un petit passage en prison. Donc cet auteur, il est toujours vivant, il a, je pense, plus de 70 ans. C'est Zülfü Livaneli. J'arrive même pas à le dire. C'est Zülfü Livaneli, ou plutôt Ömer Zülfü Livaneli. Donc c'est un monsieur qui est né, je crois, à Konya, dans les années 40-45. Et donc il a eu une carrière assez importante, il a fait plein de choses. Il a été... notamment musicien très tôt, mais il s'est mis aussi dans la politique. Donc on ne va pas parler de sa carrière dans la politique turque. Je voudrais juste vous dire qu'il a dû s'exiler à l'étranger, notamment à Paris, parce que pendant un certain coup d'État, je pense que ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Turquie savent de quoi je veux parler, et ben ses propos n'étaient pas vraiment très appréciés, étant donné qu'il faisait partie d'un parti qui n'était pas... Bref. Donc c'est toujours un peu comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les auteurs, ou du moins ceux qui ont été extrêmement populaires, intéressants ou connus en Turquie, et ben souvent ils sont passés soit en prison, soit ils ont un passé politique assez tumultueux, ils ont eu des affaires douteuses, ils ont été assassinés ou... Et donc je pense que ça reflète assez bien. Peut-être que le fait de passer du temps en prison, ça développe un certain talent de l'écriture, parce que vous savez, le talent, bon, bah, on a forcément des affinités avec certaines activités ou d'autres, mais au final, le talent, on le crée aussi en faisant cette activité encore et encore pendant des heures et des heures pour pouvoir s'améliorer justement. Et c'est ce que je fais avec l'écriture. Et je me dis, quand t'as rien à faire en prison, peut-être que
ça te donne beaucoup de temps pour perfectionner. Donc, Zulfine Vanelli nous a écrit plusieurs livres, et notamment trois livres qui sont des livres qui ont été traduits en français et qui ont été édités par la maison d'édition célèbre et connue avec laquelle j'ai travaillé d'ailleurs, qui s'appelle Gallimard, en France. Écoutez, les trois livres, je vous les mets là. Et Zulfine Vanelli, il a écrit plusieurs livres qui sont pas forcément ma tasse de thé. Par contre, il y a d'autres livres qui sont vraiment, vraiment magnifiques et que je vous conseille de lire, surtout quand vous voulez vraiment, quand vous débutez déjà, vous avez lu quelques petits livres comme ceux que je vous ai conseillés précédemment, mais que vous voulez aller un peu plus en profondeur, avoir un vocabulaire un peu plus élaboré et que vous voulez avoir des histoires un peu plus touffues, on va dire. Donc vous pouvez vous tourner vers Zulfine Vanelli, et moi je vous conseille pour votre première lecture avec lui de commencer par ce livre, c'est La maison de Leïla. Alors La maison de Leïla, c'est un livre assez petit, pas forcément très long à lire, qui relate l'histoire d'une dame d'un certain âge qui fait partie de l'ancien Istanbul, vous savez l'Istanbul avec tout son côté vraiment la bourgeoisie, et puis et donc cette dame elle vit dans l'arrière-cour, dans la petite maisonnette qui est dans le jardin d'un yalı. Un yalı, c'est une maison, une villa je dirais même, un köşk, donc oui, une villa qui est au bord du Bosphore, et c'est les gens très très riches de l'époque qui possèdent ces villas là. Mais de plus en plus, eh bien, ces villas sont rachetées par des jeunes riches, en fait. Et donc là, c'est typiquement le cas de cette maison qui était vide et où elle travaillait, mais où les propriétaires n'étaient plus présents, je crois, et qui donc est rachetée par un couple de jeunes dont donc, le mari est très très riche et la femme est très superficielle et elle n'a rien à faire de sa journée à part redécorer sa nouvelle maison. Et donc quand elle se rend compte qu'il y a une vieille dame qui vit dans son jardin, elle demande à ce que les lieux soient totalement vidés pour qu'elle puisse y faire ce qu'elle veut. Et donc on suit cette femme qui donc quitte cet établissement, quitte cette maison, mais qui se promet de ne pas partir parce qu'elle n'a aucune autre référence, aucun autre endroit où vivre, et elle ne sait pas quoi faire d'autre. Et donc du coup elle s'assoit devant la maison et elle promet de ne pas partir jusqu'à ce qu'on lui rende sa maison. Et donc là on suit avec tristesse et mélancolie cette femme qui ne veut pas partir, qui se rappelle les anciens temps et qui explique comment vivaient les gens dans cette maison au temps où elle y était, et comment c'était magnifique en fait de partager des moments très intimes avec les familles qui sont passées par cette maison, et surtout les enfants et voilà, les générations. Et donc au final elle est chassée. Parce que voilà, ils sont pas contents de voir que cette vieille dame campe devant leur leur propriété. Donc du coup, elle est chassée par la police et elle va se retrouver pour X raisons dans le quartier de Cihangir à Istanbul. Je sais pas si vous connaissez le quartier de Cihangir, mais c'est un peu le quartier bobo, pas très loin de Taksim, où sont logés beaucoup d'expats et beaucoup de personnes ayant les moyens, beaucoup d'artistes. C'est vraiment le quartier bohème, avec beaucoup de célébrités de la télévision, etc. Et donc elle se retrouve dans cette maison à être en colocation avec une jeune Allemande. Et cette jeune Allemande est une artiste et c'est une femme absolument loufoque. Et donc elles vont partager un quotidien qui est assez drôle. Moi j'ai beaucoup ri. D'ailleurs j'ai été voir aussi la pièce de théâtre de cette œuvre, que j'ai trouvée vraiment super bien faite. Et donc cette vieille dame qui s'appelle Leïla se retrouve avec une limite une gamine à partager un appartement à Cihangir. Et donc on va les suivre et on va suivre leur quotidien, dans quelle dynamique est-ce qu'elles arrivent à s'entendre sous le même toit. Et on va suivre cette histoire. Je vous en dis pas plus
Y a quelqu'un qui m'a dit que je spoilais trop. Dites-moi si j'en dis trop. Surtout si vous connaissez déjà l'histoire, vous saurez si j'en ai déjà dit trop ou pas. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est assez pour s'intéresser à l'histoire, mais pas non plus trop pour pas vous spoiler. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce livre. Alors, ce livre-là, je vous le recommande en première lecture pour une œuvre de Zulfini Valelli. Il y a aussi Motoduk, que je ne pense pas que je ferai une vidéo dessus, mais je vous conseille vivement de lire Motoduk, qui en français s'appelle Délivrance. Je vous mets tous les liens en barre d'informations, comme ça vous pouvez aller voir sur internet où vous les achetez, où vous les procurez. Donc Motoduk, qui s'appelle en français Délivrance, qui est une histoire terrible et qui a un film aussi qui s'appelle aussi Motoduk. Kabristan. Senin kabristanın olacaktır. Günaha belendin Meryem. Namusumuzu kirlettin. Şimdi at kendini aşağıya. Kanın elime bulaşmasın. Donc vous pouvez aussi regarder le film et si vous intéressez à ce qu'il a fait de plus, il a fait un film, Zulfini Vanelli, il a fait un film qui s'appelle Veda et qui relate les jeunes années de Atatürk. Et je vous reparlerai de cet auteur pour un autre ouvrage qui est mon favori, qui est vraiment, vraiment, vraiment un très bel ouvrage, qui a vraiment su me transporter, vraiment me transcender. C'est rare que je dise waouh pour certaines œuvres. Et ce livre-là qu'il a écrit est vraiment waouh. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour suivre toutes mes péripéties de littérature, tout ce que je veux vous raconter sur la culture turque. N'hésitez pas à me suivre en cliquant sur abonner. Et puis laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Et si vous avez déjà lu le livre, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous ça va. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment. Je vous fais des énormes bisous et puis on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye.